Bonjour les copains, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau bien sûr, hein, sinon je pourrais pas la faire. Je vais revenir un peu en arrière. Donc dans la dernière vidéo je vous disais que j'allais pêcher en Alsace avec Adriano. Je suis allé pêcher en Alsace, on a fait énormément, enfin une super belle pêche. Je garde sur cette vidéo pour l'hiver, pour le courant de l'hiver. J'ai décidé de la garder pour parce qu'en fait elle est très très longue et je pense que c'est plutôt des vidéos d'hiver, hein. Donc là je suis sur le même plan d'eau que l'autre fois, j'ai été réinvité et la nouveauté c'est que j'attends mon fils qui va venir pêcher dès demain avec moi. J'ai déjà tendu une canne que j'ai posée vite à l'arrache, vite fait, que j'ai un petit peu amorcé, lancé comme ça pour un petit peu voir. J'ai posé cette canne, petite bouillette avec petit maïs plastique posé au fond. Je vais mettre une deuxième canne, donc je pêchais qu'avec trois cannes. Je vais mettre une deuxième canne, je pense, petite bouillette toute seule. Et je vais mettre une troisième canne, noix tigrée équilibrée avec un morceau de mousse. De pratiquer un peu cette pêche-là, noix tigrée. Une fois, j'ai un peu tout essayé, live. Bon, je ne vous ai pas montré la carotte encore. Les pots de courne, j'avais dit j'essayais, mais on n'en a pas malheureusement. J'en ai pas trouvé au magasin. Le jour où quand j'en aurai, ben, je vous montrerai comment on va pêcher avec les pots de courne. Donc, dans la dernière vidéo que vous êtes en train de voir actuellement, combien du retard, hein, j'avais demandé, c'était sur le plan d'eau de la Marne, de me trouver le poids exact d'amorçage. Je trouve que ce jeu il est un peu compliqué, hein, parce qu'il y en a qui mettent des kilos phénoménales et puis il y en a qui mettent des grammes, qui pensent que j'amorce que 100 grammes ou 200 grammes ou voire 1 kilo ou 600 grammes. Je vais arrêter avec ce jeu concours d'amorçage. En fait, je vais faire un jeu concours à chaque fois, mais je vais vous présenter chaque fois un poisson. Et ce sera à vous de déterminer le poids de ce poisson comme... Dans la dernière vidéo que j'étais déjà ici, j'ai déjà fait avec un poisson. Alors je vais essayer cette fois-ci de vous montrer si je prends un plus gros poisson, de voir une fois si vous arrivez un peu à estimer, parce que en fait entre les vidéos que vous voyez sur YouTube et une photo, c'est pas du tout pareil, hein, quand on bouge le poisson. Et en plus là je suis dans l'eau, je peux pas bien aller, enfin je l'élève debout, donc je les montre mal, mais bon après la personne qui m'invite me demande que les vidéos soient tournées dans l'eau, et puis comme vous pouvez voir elle nage à moitié, il y a de l'eau sur le tapis de réception, c'est super compliqué, hein. Je prends des claques et c'est très très dur pour les maintenir. Mais bon voilà, donc stratégie de pêche toujours pareil, hein. Je fais de la bouillette broyée, donc avec la manivelle là je tourne de la bouillette. Je mets uniquement, je pose ça en bateau amorceur, je me fais même pas chier. Hein. J'amorce un petit peu au cobra, de la bouillette de 20, comme je fais d'habitude, des petits rappels. Et là, je pose mon montage dans la trappe de petit bateau que j'ai derrière, avec une toute petite poignée de bouillette broyée. Donc, je pêche uniquement, stratégie de pêche, c'est que la bouillette, c'est pas dégaver, c'est d'y aller doucement et de voir un petit peu comment le poisson déjà va rentrer et si c'est possible de refaire à peu près des touches comme l'autre fois. Je pense que ça sera une très très longue vidéo, hein, parce qu'on va être là sur 4 voire 5 jours avec mon fils, donc on va beaucoup partager de nouveau. On a pu pêcher depuis ensemble, ça fait plus qu'un an, parce que Jérémy maintenant avec une chérie, donc sa vie aussi a un petit peu changé, il n'est plus célibataire, mais sa chérie va venir avec nous au bord de l'eau, donc j'espère qu'on va passer un bon moment, on va se faire une bonne bouffe et avec d'ailleurs avec Patrick aussi qui va nous faire des pizzas comme l'autre fois, hein. Ça va pas changer, et puis on va surtout profiter, prendre du bon temps, c'est ce qu'il faut au bord de l'eau,
discuter et pas de dire qui va attraper le plus ou qui va attraper la plus grosse. On va faire les touches à tour de rôle. Enfin, il va peut-être en faire même plus que moi. Ça va surtout m'arranger et surtout déporter. Parce que, ben, à force de déporter, moi, mon dos, il commence aussi. Les problèmes que j'ai, c'est pas top pour moi. Mais je fais ça uniquement pour vous montrer que je puisse attraper énormément de carpes en pêchant, comme je vous dis toujours, le plus naturellement possible. J'ai vu que dans l'avant-dernière vidéo, il y en a qui me disaient ouais, mais il faudrait pêcher au milieu sauvage, essayer ça, tu prendrais moins de poissons. Je suis d'accord avec ce monsieur, hein. Je prendrais éventuellement moins de poissons, et ça, c'est peut-être pas sûr encore, peut-être le premier coup, mais pas le deuxième coup, quand j'aurais bien étudié la façon de pêcher. Mais malheureusement, avec mes problèmes de santé, si j'ai pas un endroit plat comme ici pour m'installer, c'est même pas la peine, hein. Je peux pas. J'aimerais bien, hein, pêcher. Je pêche avant les canaux, je pêche aussi avant j'ai pêché beaucoup le canal d'Alsace, hein, le Rhin, le vieux Rhin, j'ai pêché, hein. J'ai pêché aussi comment ça s'appelle, la Creuse, la rivière. J'ai pêché la Moselle. Donc j'ai pratiqué quelques pêches de rivière qui m'ont plu énormément, d'ailleurs avec des poissons qui sont beaucoup plus combatifs que en plan d'eau, hein, en gravière ou en plan d'eau fermée, hein. Là, c'est une gravière, hein, c'est pas si évident que ça à pêcher, hein. Il y a des petits au fond, faut les trouver, elles se traînent dessus, des fois juste dans la cassure, des fois sur le dessus, elles mordent. On n'a jamais deux touches, on n'avait jamais deux touches au même endroit l'autre fois, hein. C'était sans arrêt de changer un petit peu ma pêche un peu différemment et puis de trouver aussi un petit peu le poisson. Ce que j'ai pu remarquer aussi l'autre fois, c'était qu'on était juste en début de, enfin fin de pleine lune. Voilà, donc là on est en lune montante, je pense que les résultats seront un peu meilleurs, hein. Ça n'a rien à voir avec la clarté, comme je le dis, hein, c'est le coefficient de marée qui a une forte influence au niveau du poisson d'eau douce, hein. Et au niveau des pressions atmosphériques, c'est toujours pareil. Alors, comme j'ai pu constater dans beaucoup de plans d'eau, le poisson il mordait beaucoup mieux le matin que le soir. Ben ici, l'autre fois, j'ai constaté que j'avais beaucoup plus de touches le soir que le matin. Alors voilà, pour une fois, les données changent. Il fait un petit peu moins chaud que sur la dernière vidéo que vous avez vue. On était monté, je crois, 37, 38, hein, une fois. Là, on tourne autour de 30, avec un petit air, un petit vent du nord, nord-est par moment. Donc, ça peut éventuellement être un peu meilleur que l'autre fois. Tout ça, ben, si vous suivrez la vidéo, vous verrez, et en espérant que je peux vous montrer encore quelques poissons, peut-être deux, trois avant que mon fils arrive. Puis après, je vais lui passer la main, c'est lui qui va vous montrer les poissons, je vous en montrerai de temps en temps. On va essayer peut-être de vous en montrer plus, et puis d'essayer de faire, au moins, je pars au moins sur une trentaine de poissons sur ces quelques jours de pêche. Après, c'est mon objectif. L'objectif, des fois, il est largement dépassé, et des fois, l'objectif, il est beaucoup plus dur. Tout dépend des conditions climatiques, et voilà. Après, moi, je ne pêcherai cette fois-ci pas du tout la nuit, hein. Il est hors de question, parce que si je fais faire une belle pêche de jour, il faut que j'arrête de m'amuser à pêcher la nuit, parce que j'ai eu trop de mal à récupérer. Sur la dernière vidéo que je vous ai fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup, énormément de mal à récupérer, parce que ces pêches de nuit, et puis pour mes problèmes de santé, c'est pas top. Ben, je vous dis à bientôt. Si on reprend éventuellement un beau poisson, je vous montrerai ça. Je sais qu'il y en a des bêtes dedans encore. Hein. Ouais, il y a des beaux poissons. Hein. Je vais essayer. Je fais une trop. Ça fait plaisir de prendre un poisson comme ça, ouais. Parce que tu n'en prends pas souvent. Hein. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, hop là. Viens là, ma cocotte. Tu dois être sage. Tu vas la remettre à l'eau. Attends, je vais faire un truc, moi. Et voilà cette super magnifique coille d'un poids de 11 kg. On vient de la peser. Vraiment un très très joli poisson. Magnifique. Une couleur exceptionnelle. On va passer pour la remettre à l'eau. Et madame n'est pas là. On lui fait un beau petit bisou. Un beau petit souvenir, tiens. Voilà. Ça fait plaisir de me voir, monsieur. Bravo, monsieur. Je vous félicite, monsieur, pour la seconde. Regarde. Elle est là.
Félicitations du propriétaire, monsieur. On est sur un superbe beau poisson avec un superbe écaillage que je vais vous montrer. Si elle veut bien, comme d'habitude. Hein. Viens là, ma cocotte. Et voilà ce beau poisson. Magnifique, très gros poisson, joli écaillage. On va passer pour la remettre à l'eau. Très très joli poisson. Ouf. Hop là, viens mon cocotte. Je vais te faire une super belle commune. Qui est toute nerveuse comme d'habitude. Vous la montrez vite fait. Et voilà cette belle commune qu'on va passer à remettre à l'eau. Vraiment encore un beau poisson. Très très joli poisson qu'on va tout de suite relâcher. Allez, ma cocotte. Mais c'est où? On est sur un très gros poisson. C'est toute nerveuse comme d'habitude, je suis en train de prendre une claque. Oh là 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 là. Calme-toi. Calme-toi, ma cocotte. Hop là. Déjà, faut arriver à la porter, hein, parce que là, il y a du lourd. Hein. Elles sont vivaces ici, hein. C'est impressionnant. Hein. Allez, calme-toi, ma cocotte. Et voilà. Cette très grosse miroir. Vraiment magnifique. Tout est énervé. Un très gros poids. À passer pour remettre à l'eau. Vraiment un très très gros poisson. Ouh, super lourd. Allez, viens là, mon cocotte. Donc en fait, j'enchaîne depuis ce matin. Il est 14h. Et c'est mon 8e poisson que je viens de faire. Encore une très très belle commune. Je ne pêche pas tout le temps. Quand je pose les cannes, ça déroule. C'est vraiment impressionnant, hein. J'ai jamais vu ça. Mais c'est encore un très très gros poisson. Je vais essayer de vous montrer si elle est bien sage, la cocotte. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. J'ai enlevé les lunettes, hein, parce que c'est une catastrophe. Fou. Et avec leur grosse palme là. Hop, un petit. Viens là, ma cocotte. Hop là. Oh. Et voilà cette magnifique commune. Vraiment, encore un très très gros poisson. Très très joli poisson. Regardez-moi les queues, des combats de malades. Vraiment, c'est du pur bonheur d'attraper des poissons comme ça. Vraiment un plan d'eau magique. On va passer pour la remettre à l'eau. Des claques, je vous dis pas. Hein. J'en ai pris, j'en prends des claques depuis ce matin. Là, on va retourner à l'eau, ma cocotte. C'est fini. Hop là. C'est bon, c'est bon. Très très beau poisson, encore une belle commune. 9e poisson d'affilée. Je pense qu'il doit y avoir un homme grenouille là-bas en bas qui me les accroche, hein, sinon c'est pas possible de prendre autant dans une journée. Hein. Et encore un très très beau poisson que je vais vous montrer. Si elle veut bien, comme d'habitude.
Donc je me prends deux, trois petites claques. Un ballon. Doucement ma cocotte. Hop là, un petit tour. Elle veut pas se laisser montrer, mais on va y arriver, c'est pas grave. Elle n'a pas le choix. Non. Et voilà cette belle commune. Tu te calmes. Qu'on va remettre à l'eau. Très joli poisson encore. Hop là. Pourquoi il veut pas se sauver? Calme-toi. Calme-toi mon bébé. Oh putain la claque qu'il m'a mis. Bon, montrer la tête, c'est déjà pas mal, Patrick. Oh. Qu'est-ce qu'il est beau. Je t'en avais déjà pris, moi, des transmontanus. Oh. Ouais, il fait 40 kilos, celui-là. Ouais. C'est le 40. Allez, viens là, mon coco. Ouah. Ah, tu peux filmer. Ah. Voilà le gros bébé. Il est magnifique. Il est magnifique. 40 kilos. On va le remettre à l'eau. Ah. C'est un beau combat. Il est magnifique. Il est beau, hein. Oh. Fou. C'est mon poisson plus gros, le plus lourd que j'ai attrapé de ma vie. Hein, mon bébé. Allez, vas-y. Donc sur le matin, de bonne heure, on fait une très très grosse miroir. Je vais essayer de vous la montrer. Ouf. Et voilà ce beau bijou du matin de bonne heure. Un très beau poisson qui est passage, comme d'habitude. Et là, ma cocotte. Voilà. Vraiment joli. On va passer pour la remettre à l'eau, cette magnifique poisson. Hop là. Et voilà. Et voilà Jérémy avec son deuxième poisson déjà. Lève-le un petit peu. Très très bon poisson. À peine arrivé. Donc j'ai essayé de vous montrer un nouveau poisson. C'est le poisson du Thibaut. Bien le prendre. Et voilà. Un bel amour blanc. Magnifique poisson. On va passer pour le remettre à l'eau. La photo, tu peux la mettre sur ta, voilà. Sur ta vidéo aussi, ça. Très gros amour blanc. Vraiment la tête. La bestiole. Des sages. Combien de temps, on ne sait pas. Très gros poisson. On va remettre à l'eau. Ouh, c'est lourd, hein. Donc on est sur un énorme amour blanc que je viens de faire. Vraiment un poisson exceptionnel que je vais essayer de vous montrer. Et voilà, bestiole. Il a une longueur exceptionnelle. Vraiment un bon poisson. Ouf. Magnifique. Un très très gros amour blanc qu'on va passer à remettre à l'eau. Voilà Jérémy qui a fait ce très très beau poisson, cette très très belle commune. De poids exceptionnel. Très gros poisson,
il va essayer de la lever un petit peu. Allez, monte un petit peu. Allez, tends un petit peu les bras. En avant. Voilà. Voilà Jérémy, avec cette belle commune. Vraiment, un joli poisson. Je vais le faire tenir le plus longtemps possible pour qu'il renforce un peu ses bras parce qu'il n'a pas trop l'habitude des portées. Il est très très fatigué, le petit. On va la remettre à l'eau. Là, on va te faire un doublé. Deux beaux poissons magnifiques qu'on va passer pour remettre à l'eau. Vraiment des jolis poissons. Elle lui fait un bisou. Très beau poisson. C'est pas évident, mais bon, on fait ce qu'on peut. Allez. Donc là, on est sur un très très gros poisson encore. Vraiment une très grosse miroir. Je vais vous montrer. Vraiment poisson magnifique. Prise. La petite bouillette au maïs doux. On va passer pour la remettre à l'eau. Voilà Jérémy avec un très gros hameau blanc qui arrive pas à tenir. Qui est très très énervé. Pas sage, hein. Beaucoup d'énergie, on l'a pas pesé encore, mais je pense que c'est un très très gros poisson. Il n'a pas l'habitude de porter ses poissons. Allez, faut lever. Voilà, lève encore un petit peu. Magnifique, c'est joli. Un très beau hameau blanc. Très très joli poisson de Jérémy. On va passer, on va mettre à l'eau. Et voilà Jérémy avec ce très très gros poisson. Après trois quarts d'heure de combat, il a réussi à mettre fin. Seulement pour la lever, c'est totalement différent. Un gros poisson très lourd. Faut que je continue la vidéo, vas-y, reprends-la. Il va vous la montrer un peu mieux. Allez Jérémy. Tu m'as dit que c'était moins lourd qu'un sac de ciment. Très beau poisson. Il n'en peut pas. Il n'en peut plus le gamin. Allez, du courage. On en va mort. Hein. Allez, encore une fois. Hop, du courage. Lève-la. Allez. Très beau poisson. C'est très gros poisson. Gros, très gros hameau blanc. Magnifique. 24,5 kg. Très très joli. À passer pour le remettre à l'eau. Voilà Jérémy encore avec cette magnifique commune qu'il n'arrive pas à tenir. Du cinéma. Il fait beaucoup de cinéma avec ce poisson. De très très beau poisson quand même. Voilà. Jérémy qui n'est pas encore réveillé, qui vous montre ce beau poisson, le matin de bonheur. Magnifique miroir, un poisson de souche. On va remettre à l'eau. On est sur un doublé de très très gros poissons. Trois départs en même temps. Vraiment des gros poissons. Le disque est bientôt rayé à force de dire des gros poissons, mais c'est vrai, c'est des beaux poissons qu'on voit pas tous les jours. Magnifique. On va passer pour les remettre à l'eau. Tu me dis quand ? C'est bon. On est sur un amour blanc. Prend notre temps parce qu'ils sont très très énervés ici. Ils ont vraiment la pêche. Bien ouvert hein, parce qu'il part très très vite.
active encore. Vraiment un gros poisson. C'est combatif, hein. Surtout combatif sur le bord. C'est gros, hein. Il y a du mal à rentrer dans les fusettes. On va laisser repartir encore un petit coup. Que vous avez pu voir ça quand je vous ai filmé en l'attrapant, il est là, très beau Mont Blanc, magnifique, vraiment un joli poisson encore. On va passer pour la remettre à l'eau. Et voilà Jérémy avec un très gros poisson, vraiment magnifique, poisson de 25 kg. Le petit n'arrive pas à la tenir, faut que le père il apprend. Allez, relève, on remonte ce poisson encore une fois. Lève la queue un petit peu. Montre, voilà, montre-la bien. Lève plus haut les bras. Donc on va passer au jeu concours. On vient de peser ce très très beau poisson que je vais vous montrer. J'étais un peu surpris du poids, mais c'est Jérémy qui l'a pesé, c'est pas moi. Je vais vous la montrer. Très, très beau poisson qu'on va passer pour remettre à l'eau. Hop là, t'es prêt? Ouais, on y va. Ça filme. Je viens de reprendre une belle commune. Je vais vous la montrer si elle veut bien. Calme-toi, calme-toi. Non, calme. Hop là. Belle commune. On va la remettre à l'eau. Et voilà Jérémy avec cette très grosse commune d'un poids exact de 20 kg, tout rond. On vient de la peser. Il va la tenir pendant 5 minutes. On va passer à la remettre à l'eau. T'as fait une photo comme ça? Je vous présente cette belle commune.
vraiment d'une couleur, un jaune, on dirait presque une koi. Magnifique poisson. Qu'on va remettre à l'eau. Magnifique commune. Très joli poisson. On va passer pour leur mettre de la poêle. Très grosse commune. Magnifique. On va passer pour en mettre à l'eau. Je suis plus fort que toi, ma cocotte. Vraiment un énorme poisson. Voilà, on va terminer cette vidéo avec ce très très gros poisson. Un poisson de plus de 30 kg. Énorme poisson. Regardez la tête. Magnifique. C'est la deuxième fois que je l'attrape. Vraiment un beau poisson. On va passer pour la remettre à l'eau. Cette section de pêche se termine malheureusement, mais bon, c'est la fin des bonnes choses. Pas de regret que ça s'arrête quand même, parce que énorme, beaucoup de fatigue. Une très très grosse pêche que nous avons fait avec mon fils. Hein. Vraiment, ça fait, il m'a beaucoup aidé, donc j'ai pu plus pêcher. On n'a pas pêché de nuit, on a pêché que de journée, parce que le poisson était très très productif la journée, donc ça, on enchaînait les touches une derrière les autres sans avoir eu besoin de pêcher la nuit, hein, parce que sinon ça aurait fait beaucoup d'efforts à faire. Donc je vais vous résumer un petit peu. Il vient de terminer par une carpe koi. Il a attrapé exactement le même poisson que j'ai attrapé, que vous voyez sur le... Que vous avez vu sur le début de la vidéo. Donc je vais vous résumer, on a fait exactement 95 carpes cuir communes mélangées ensemble, ce qui est vraiment énorme. On a fait 11 amours blancs. Je me suis consacré à pêcher l'amour blanc. Depuis plusieurs fois, je vous disais que j'aimerais bien attraper un amour blanc. Donc le Thibaut, qui est fan des amours blancs, m'a un peu expliqué, un petit peu montré comment les pêcher, et dans le plan d'eau là où j'étais, je savais qu'il y en avait. Donc j'ai pêché 11 amours blancs, que des gros amours blancs, entre 18 et 24 kg et demi pesés. Donc c'est une pêche un peu différente. J'ai pêché ou à la spiruline ou à la noix tigrée, ça a marché aux deux, mais vraiment vraiment c'est vraiment incroyable. Et on a fait 17 esturgeons, dont un très gros que vous avez pu voir sur la vidéo. Un esturgeon de plus de 40 kg, 42 ou 43 kg, mais bon, plus de 40 kg que j'ai attrapé au début. C'est le seul, je ne me rappelle plus des noms, c'est le seul esturgeon. Les autres, c'est des... Oh, je ne sais plus, hein, il y a des trucs de berry. Les berries, les plus petits, c'est des berries, ils font entre 15 et 21 ou 22 kg le plus gros. Et ceux que j'ai attrapé, ils sont plus jolis, je les aime mieux. Très très combatifs au bout de la canne, hein. C'était une heure de combat pour le poisson de 40 kg, parce que comme je pêchais que en 25 centièmes, et ça fait bizarre au bout de la canne, hein. C'est une découverte pour moi. J'ai attrapé la petite bouillette posée au fond, mais bon, c'est des vrais aspirateurs, ils mangent tout. Donc vraiment une grosse pêche, hein. Je voulais vous montrer, on a pêché au bateau amorceur, on n'a pas pêché à des distances longues. Je voulais vous prendre le drone et filmer un peu avec le bateau amorceur, mais les conditions climatiques, il y avait énormément de vent tous les jours, hein. C'était vraiment des conditions climatiques pour la pêche et pas pour faire du drone. Je pense que, enfin bon, j'ai pas trop encore, je ne sais pas trop bien faire fonctionner encore, et puis je me suis méfié malgré qu'il y avait Jérémy qui aurait pu faire fonctionner. Mais pour avoir une belle image, il faut filmer ou le matin de bonne heure. C'est là où Jérémy dormait, et le soir il était réveillé, puis c'est là où moi je dormais. Donc voilà. Donc
Après cette vidéo, que vous avez pu voir, donc il y a le jeu concours, hein, je vous dirai le nom dans la prochaine vidéo du gagnant. Dans la dernière vidéo, la précédente que vous avez pu voir, il y avait aussi un jeu concours, je ne sais, elle n'est pas encore diffusée la vidéo, mais de toute façon, comme je vous ai dit, les vidéos sont en retard maintenant, hein, je vous en mets une tous les 15 jours, et comme je fais des sections, une tous les 10 jours, je rentre un petit peu, je repars pêcher 4-5 jours, je rentre 2 jours, je repars pêcher 4-5 jours. J'ai été invité par des Alsaciens encore, je vais aller en Italie pêcher, je vais aller à Koyland. Oui, c'est Koyland, si je ne me trompe pas. On va partir, c'est au mois d'août. D'abord, j'ai Pascal de Belgique qui va venir me rejoindre pour quelques jours. On va pêcher ensemble. Puis après, je vais faire Koyland tout seul. Ça fait beaucoup de route pour y aller. J'espère que madame va pouvoir conduire un petit peu. Parce que vu son opération aussi, et puis pour moi, ça fait beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Big Carbo Elise et surtout à mettre un gros pouce parce que voilà, c'est vraiment 122 poissons pris en tout au total dans cette petite section, c'est vraiment beaucoup, énorme. Je crois que à part au lac du Der en 5 jours que j'ai fait autant de poissons dans les années 88, 8 ou 9, j'avais fait 135 poissons, 134 attrapés en 5 jours de pêche qu'en pêchant une journée. Mais il n'y avait pas encore tous ces carpistes à l'époque. J'étais tout seul sur le plan d'eau en 88, c'était au mois de septembre. J'avais fait une pêche d'enfer. J'avais pas toute la technologie qu'on a maintenant pour pêcher. Maintenant, c'est à plus de technologie, à attraper le plus gros poisson. Ben non, c'est pas du tout ça. Hein. Là, on a fait des très gros poissons. On est monté à plus de 30 encore, hein, avec 2 poissons. Et on a fait 28. Non. Sur cette section 26, 25, 5 pesé, 24, 5, 24, 23, donc et puis des plus de 20 à l'appel. Hein. Vous avez pas tout sur les vidéos, hein. J'en ai pris de temps en temps une. Hein. Voilà, parce que je pars. Sinon, la vidéo va déjà cette vidéo va durer longtemps, mais sinon, vous aurez une vidéo de 4 heures avec tous les poissons qu'on a attrapés. Hein. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo, et puis je remercie tous les gens toujours qui m'entourent et qui m'aident et qui me soutiennent pleinement dans la démarche que je suis en train de faire avec l'association, enfin que l'association Big Carbo Elise est en train de faire. Et il va encore avoir du changement. Vous verrez les choses. J'ai encore un départ. Vous entendez? Il y a encore une touche. Le fils, il va y aller. Il a que ça à faire. Il prend la canne. Voilà. Je vous dis à bientôt.